Tunisie-Namibie. Une rencontre qui, sur le papier, pourrait sembler déséquilibrée. Mais la magie du foot nous réserve parfois bien des surprises. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de NCI Sport Live pour le deuxième plateau Cannes de la journée. Pour m'accompagner, eh bien, trois stars. Oui, trois stars du Ballon Rond. Ex-international français, il nous fait le plaisir d'être ici en Côte d'Ivoire chez lui pour vivre ces, cette Cannes de l'intérieur. Bonjour, Dibril Bonjour. Comment allez-vous Ça va, très bien, très bien, très bien. Bon, euh, vous êtes là depuis, depuis hier. Yeah. Et euh, c'était bien hier, ça s'est bien passé. Euh, oui, j'ai trois, trois beaux matchs. Ouais. Euh, des buts, des résultats euh, avec euh, beaucoup de choses à dire. Donc, euh, ouais, une, une bonne première journée hier. Absolument. Euh, L'ancien international ivoirien qui est avec nous euh, sur ce plateau euh, bien, nous fait le plaisir également hein, de nous accompagner. Faites euh, euh, un maximum de bruit pour le champion d'Afrique 2015, Wilfried Cano. Bonjour Wilfried, comment ça va Oui, ça va, ça va bien. Ça va. Eh ben, merci d'être avec nous. Vous le aussi, plaisir. vous vivez un bon début de, de Coupe d'Afrique des Nations Oui, je pense que euh, la Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, est l'une des grandes nations. Donc, euh, avec un peu de chance, je pense qu'on fera, on fera quelque chose de magnifique. Avec, avec un peu de chance, et beaucoup de talent et euh, on va pas dire la suite. En tout cas, merci hein, de nous accompagner. Euh, notre champion d'Afrique 92, Monsieur Thierry Joël, mérite un maximum d'applaudissements. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bon, euh, bonsoir M. Thierry Joël. On a vu un très, très beau match, là, burkina Mauritanie. Ouais, qui s'est solvée par un but euh, sur pénalty hein, d'ailleurs à la faveur du Burkina Faso, but marqué par euh, Traoré. Alors, est-ce que la victoire est méritée Elle est méritée du fait que le Burkina Faso a, a pris l'ascendant la, sur, sur la deuxième mi-temps, et le Burkina a beaucoup poussé, beaucoup poussé, et puis euh, voilà, le pénalty est venu, un pénalty mérité, et puis comme je le disais... Euh, le grand frère est venu clore tout cela, mmh. parce que je crois qu'il est rentré dans les 20-25 dernières minutes. Et bon, il a apporté son expérience. Donc, belle victoire méritée du Burkina Faso. Euh, Djibril si c'est est-ce que... Parce que bon, ça, ça a quand même créé le, le, le doute hein, dans l'esprit de tout le monde à la fin de la rencontre. Est-ce qu'il est qu y avait pénalty Ouais pour moi, c'est mérité. C'est un, un geste non maîtrisé de la part du, du défenseur. L'attaquant a, a poussé le ballon quand il fallait et, et du coup a pris l'avantage. Le, le, le défenseur prend le risque de, de se jeter euh, ben justement en, en, en donnant la possibilité à l'arbitre de, de siffler penalty. Euh, je pense qu'il aurait dû l'accompagner, l'attaquant avec lui. Il, il lui reste quelques mètres à faire pour, pour être en dehors de, du terrain. Donc je pense que voilà, quand tu es défenseur et qu'on arrive dans ces zones-là de, de, de vérité où il faut être vraiment efficace, il faut être sûr de soi et faire des gestes approximatifs, ben, ça, donne, ça donne des pénaltys en fin de match comme ça. Alors finalement, mais ça sur quoi Sur le manque d'expérience de la part du, du joueur mauritanien Manque d'expérience seulement parce que je n'ai pas, pas trop aimé l'attitude du défenseur. Il suffisait juste de, de l'accompagner, il restait 15 minutes et pénalties. Mmh. Alors, est-ce que vous vous attendiez quand même à une, une telle résistance hein, des, des Mourabitounes C'est si, Joël. À vrai dire, non. À vrai dire, non. Mais comme le football, n'est pas une science exacte. Et on a vu depuis le début de cette campagne que des soi-disant petites équipes ont donné du fil à retordre à, à des grandes nations. Mmh. Oui. Pour moi, c'est voilà, ça ne fait que bonifier le, le comment on appelle ces championnats d'Afrique. Oui. Euh, Djibril, même question pour vous. Vous attendiez à cela de la ben, part des Mauritaniens oui, Aujourd'hui, on l'a dit hier, nous souvent, il n'y a, a plus de petites nations, il n'y a plus de petites, euh, petites équipes de, 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 de football. Tout le monde peut rivaliser avec tout le monde. Euh, ben, les, les petites nations progressent aussi et les, les grandes nations aussi, mais peut-être avec un, une, vitesse, une double vitesse. Mais les, les, les petites nations, comme mm. la Mauritanie, euh, ne sont plus vraiment des petites nations et peuvent rivaliser jusqu'à la 80 et quelques minutes après. Voilà, c'est un jeu de voilà de détails mm -hmm. et un jeu de, de stratégie et le, du coup l'attaquant le, le, burkinabé joue bien joue bien le coup absolument allez on va marquer une première pause et juste après eh bien on va se concentrer sur la deuxième affiche de la journée tunisie namibie à tout de suite Tunisie Namibie, c'est le deuxième match de la journée qui, est, qui nous réunit ici sur NCI. Et pour en parler, eh bien nous avons Djibril Sissé, nous avons Wilfried Cano, nous avons Thierry Joël. Alors messieurs, on va parler maintenant de, de cette rencontre. Hein, et parlons, commençons avec euh, cette équipe tunisienne, une seule fois titrée, c'était en 2004. La Tunisie va disputer sa 21e Coupe d'Afrique des Nations, la 16e consécutive, hein, ce qui euh, constitue un véritable record. Alors, euh, Comment est-ce que vous la voyez cette équipe tunisienne Vous l'avez suivie un petit peu hein, depuis euh, les qualifications. Euh, vous la trouvez comment C'est une équipe qui, euh, qui joue au ballon, qui n'a euh, qui pas peur de, 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 de prendre des risques et de, avec un jeu assez, assez direct. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, mon pronostic, euh, je vois la Tunisie euh, surpasser la, 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 la Namibie. Je pense que pour le peu que j'ai vu de, de la Namibie, vu la qualité de, de, de l'équipe tunisienne, je pense qu'il n'y aura pas de. Ça devrait être une. Je n'ai pas envie de dire une formalité, mais ça devrait, ça devrait passer pour les Tunisiens. Et euh, pour en chérir hein, et pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai que euh, cette année, euh, la Tunisie a misé quand même sur, euh, je veux dire, sur des, des joueurs confirmés, sur des joueurs expérimentés, à l'image de Youssef euh, Msakni, hein, qui va disputer lui sa huitième Cannes et égaler euh, bah, le record de participation à une Coupe d'Afrique de, de, de Rigo Bersong. Euh, un mot sur ce joueur, Thierry Joël Oui, c'est un très bon joueur qui, qui a de l'espérance, qui. Comme vous le dites, qui fait sa huitième e Coupe d'Afrique des Nations. Mmh. Et ça joue, ça compte. Parce qu'il va apporter son expérience, il va apporter son... mmh. sa vitesse de jeu. Il est très clairvoyant. Et je pense qu'il fera du bien à cette équipe tunisienne. Est-ce que c'est le joueur à craindre de cette équipe tunisienne Moi, je pense que déjà, la Tunisie, c'est une grande équipe. Ayant joué contre euh, la Tunisie euh, en match amical avec le coach Kamara, mm -hmm. on a eu pas mal de difficultés, mais au final, euh, on a gagné. Ils ont un bon bloc euh, défensif. Ça coulisse bien, ça joue bien. Euh, ils ont fait le mondial. Ils, ils ont gagné même la France. Donc, euh, je pense que ça sera, ça sera un match ouvert. Ça sera franchement un bon match. Alors, euh, outre euh, Msakni, il y a également euh, Anis Liman. – Anis Liman, 31 sélections, hein, euh, malgré son jeune âge, il n'a que 22 ans. Euh, en club, il est un petit peu discret, avec un, un temps de jeu un petit peu réduit. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est, il est prêt vraiment à, à amener cette équipe vers la victoire ?– Oui, après, il y a une, il y a une vraie différence entre les clubs et, et les, les équipes nationales. C'est… on porte un pays, on porte une, un peuple, c'est une fierté… Euh, différente mm -hmm. et, euh, et justement pour lui c'est un, un bol vu qu'il joue pas trop en club mm -hmm. et, et que là il a la place il a la, la chance de, de pouvoir voilà s'exprimer et, et montrer que qu'il qu mérite aussi de, un peu plus de temps de jeu en club donc euh, moi je je pas de j'ai pas de je me fais pas de souci pour lui niveau rythme en tout cas et avec voilà avec le, la grinta et l'envie le, et surtout la voilà la fierté de représenter son pays on fait, on fait beaucoup de, de, de bonnes choses. D'accord. Alors on va regarder hein, cette, cette composition de, de l'équipe tunisienne euh, et on va voir s'il y a quand même quelques surprises euh, dans cette compo. Alors Djibril, je vous laisse le, la lire. Alors dans les buts, Ben Saïd, euh, défense Maloul Talbi, Meria et Kechrida. Au milieu de terrain, alors il y a Chiri, euh, Ben Roman, Roman Sliman et devant Achouri. Kenessi et Ensaki. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des, des surprises pour vous Wilfred Canon Pas vraiment, pas vraiment. On, euh, ça se voit que cette équipe, euh, depuis depuis des années, ça joue ensemble. C'est mm -hmm. vrai que ils ont ils ont mis un peu de jeunes, mais je pense qu'avec euh, l'expérience de Meria, le défenseur central, je pense que ça va, ça va, ça va, ça va faire mal. Oui. Pas beaucoup de changements. Mm -hmm, mm -hmm. Un bloc solide. C'est pratiquement la même équipe qui a joué la Coupe du Monde. Donc ils se connaissent. Je pense que euh, dans le jeu, dans le jeu ils, vont, ils vont se trouver très rapidement et facilement. Donc euh, voilà, pour moi, c'est l'équipe qu'il fallait. Quoi. Alors quand on regarde cette, cette composition d'équipe, euh, quelles sont les, les forces et les faiblesses de cette équipe tunisienne? Mais les forces, c'est un, une équipe assez euh, techniquement assez, assez facile. Euh, offensivement, qui sait marquer des buts et qui sait faire mal aux adversaires au moment en clé, au moment où il faut. Et défensivement, voilà, Meriah, euh, expérimenté. Je ne vois pas trop de, de, de points faibles sur cette équipe, en tout cas pour aujourd'hui, mais, euh, mais offensivement, euh, très, très efficace et très dangereux, euh, notamment euh, les, trois de, les trois de devant. Oui, le de feu canon, même question, point euh... fort, point faible. Ça, 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 ça joue bien au football, c'est technique. Et souvent, ils procèdent en, en contre. Mais je pense que là, le match, il a ouvert, est ouvert, c'est contre la Namibie. Je pense qu'ils vont jouer euh, sur le côté, sur le côté, je pense. Voilà. Euh, Thierry Joël, à votre avis, quel est le discours du sélectionneur de la, de la Tunisie quand on sait qu'on doit affronter une équipe qui, sur le papier, est plus faible ben, il, faut, il faut gagner, il faut marquer dans les premiers instants. Et puis, euh, ne pas attendre, euh, ne pas donner la. L'occasion à cette équipe namibienne de, 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 de faire son jeu. Et comme le disait tout à l'heure Gibril, c'est une équipe l'équipe tunisienne euh, collectivement très bonne. Collectivement très bonne, qui se réplie aussi très, très, très vite quand elle perd le ballon. Et donc, euh, si euh, le conseil du coach, c'est de marquer des buts. Parce qu'au euh, fur et à mesure, s'il n'y a pas de but, ben, l'équipe namibienne va prendre confiance. Et puis, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Et, et ce n'est pas ce qu'on a, qu a vu depuis le, pas vu vu le, début, le Ghana, début de cette voilà. compétition. Hein. On a vu le Ghana. Voilà la, 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 la dernière fois. Ouais. Et Donc, euh, je pense que quand même, l'entraîneur, le, mm -hmm. voilà, il a sait, l'espérance. Il sait, il sait comment euh, galvaniser ces hommes. D'accord, très bien. Allez, marquons une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants. Et euh, juste après, eh bien, euh, nous prendrons la direction du stade pour ce Tunisie-Namibie. Dans quelques instants. Nous irons à Korogo, oui, au stade Madougon Koulibaly hein, pour euh, cette rencontre Tunisie Namibie. Et d'ailleurs, on va voir les premières images hein, du stade. Euh, on imagine qu'il fait une chaleur insoutenable euh, du côté de Korogo. Est-ce que c'est un facteur qui peut être déterminant dans cette rencontre bien sûr, que, bien sûr que c'est un facteur déterminant, oui. Ouais, ouais. Que, bon, on dira qu'ils ont, ils ont eu au moins deux, trois semaines se préparer sous cette, cette chaleur-là, mais bon. C'est un facteur de dominant quand même. Euh, vous avez euh, des souvenirs comme ça de, oui, de chaleur oui, oui. insoutenable <laughs> Oui, je me rappelle aussi en euh, euh, 2015. Uh -huh. Mais je pense qu'il y a la chaleur, il y a la pression, il y a l'envie de bien faire. Donc euh, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent, peuvent gérer, je pense que ça va aller. Ouais. D'accord, ouais. Et, et vous euh... La chaleur, c'est un, euh, un vrai problème, c'est un vrai facteur à prendre, à prendre en, en cause, surtout que la plupart euh, jouent en Europe il euh, y a des chocs thermiques de 20-25 degrés à Paris il fait enfin, en Europe il fait 5-6-7 degrés mm -hmm. et on arrive à des, 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 des températures comme 35-40 par temps ça, ça, ça peut jouer sur l'organisme mais, mais bon après et, et, euh, et, et du coup ça et du coup ça jouerait enfin euh, ce sera au, au désavantage du, de la Tunisie où on sait qu'il fait quand même un petit peu froid là-bas ouais il fait un peu plus frais là-bas mm -hmm. donc c'est pour ça je pense qu'ils ont dû organiser euh, dans leur préparation, ils ont dû venir peut-être un peu plus tôt que les autres pour se préparer, préparer leur corps. Et, mais bon, quand on est des compétiteurs et qu'on est dans, le, dans la compétition, on, ça fait mal, mais on passe, on passe outre. D'accord. Allez, on va regarder tout de suite hein, la composition de cette équipe namibienne, la Namibie hein, qui vient vraiment euh, en outsider hein, dans cette euh, dans cette rencontre, mais qui a quand même la réputation d'avoir tenu en échec le Cameroun lors des qualifications et euh, l'Afrique du Sud en amical. Alors, on va voir. Voilà, dès que ça va s'afficher, on va pouvoir regarder euh, la compo. Et dans les buts, on a euh, Kazapua. Euh, en défense, euh, Nyambe, Anoutenia euh, au Congo. Euh, au milieu, on a uh, Tiroesa, Limbandi, Chitembi, Petrus et euh, Anamoum. Et puis devant, euh, Chaloulilé et Otto. Voilà la Namibie qui va jouer en 3-5-2. Est-ce que la Tunisie doit s'inquiéter face à cette équipe, à cette équipe euh, namibienne ça se, ça se voit, euh, la formation 3-5-2, ça se voit qu'ils sont venus pour jouer mmh. en bloc, bloc bas. Et selon moi, ils vont procéder euh, en contre. Ils vont procéder en C'est une équipe euh, âgée, beaucoup d'expérience. L'attaquant, c'est un renard de surface. Il a 30 ans, il est, il est gênant pour, <laughs> pour les défenseurs. Donc mmh. je pense que ça va se jouer. Euh, euh, ils vont jouer en contre. Ils vont jouer en contre selon moi. Et quand on sait que beaucoup de, de, de joueurs namibiens hein, évoluent en Afrique du Sud, un championnat en plein essor, bon, ben, on se dit quand même que les Tunisiens auront quand même du, du fil à retordre. Déjà, le dispositif tactique même euh, de cette équipe namibienne euh, euh, présage qu'ils voilà, vont vouloir gagner la bataille du milieu. Mm -hmm. On sait que les pays du Maghreb, c'est leur fort. Donc, euh, c'est 3-5-2. Pour moi, euh, c'est une bonne tactique parce qu'il faut gagner la bataille du milieu. Et si euh, les Namibiens gagnent la bataille du, du, du milieu, je pense qu'ils pourront contenir cette équipe tunisienne. Djibril euh, si c'est mentalement à la place des, des Namibiens, comment est-ce qu'on aborde cette, ce, ce genre de rencontre ben Pour moi, ils sont à la meilleure place. Ils ont la meilleure position, ils ont la position d'outsider. Euh, tout le monde les voit perdants. Donc eux, ils, euh, ils ont tout à gagner, euh, rien à perdre. Et, mais je pense que dans leur dans leur tête ils ont ils ont un autre plan. Eux ils ont un plan de euh, de venir euh, pourquoi pas euh, euh, créer la surprise ce soir. J'espère qu'ils ont ce, euh, cet état d'esprit là parce que parce que dans le football actuel tout est tout est possible. Euh, est quand on met du, du cœur et un, un état d'esprit on peut on a vu des surprises. Hein. On mm -hmm. voit l'Algérie qui se fait tenir en échec hier, euh, le Ghana qui se qui se fait euh, qui se fait battre. Donc tout est tout est faisable. Et, et ils ont besoin voilà, d'avoir un, un état d'esprit positif et surtout de, de, de courir pendant 90, voire plus euh, avec, le, avec le temps et d'être vraiment concentré pendant, pendant chaque minute. Mm -hmm. euh, Wilfried Callan, vous avez évoqué tout à l'heure hein, l'attaquant, euh, Chalou Lillet, mm -hmm. euh, qui joue à Ma Melody Sundown. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est lui le véritable danger de cette équipe Je pense que c'est un joueur à, à crainte. Avec son expérience, euh, il, il peut faire mal, Ce genre d'attaquant, euh, il faut, il les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux. Il faut être concentré de la première à, à la 90e minute. Donc, euh, ce genre d'attaquant, franchement, il, il faut, il faut le suivre de près, en fait. Donc vous pensez qu'il y aura un plan anti euh, Chaliloulé dans cette rencontre Moi, je pense pas du, je pense pas que le... la Tunisie fasse un plan anti euh, anti euh, mais bon. Vous savez, je dis, je dis toujours, dans une équipe, il y a le collectif, mais il y a des joueurs aussi individuellement qui sont bons. Euh, C'est vrai que ce garçon, je l'ai vu jouer, il n'est il il pas mal, surtout avec euh, le ballon au pied. Et, il faut que la défense tunisienne fasse attention. Mm -hmm. Eh bien, on saura ça dans quelques instants. Allez, on va marquer la dernière pause hein, avant de prendre la direction du stade Amadou koulibaly de Korogo. Et bien, on se retrouve juste après. À tout de suite. Le coup d'envoi de ce Tunisie-Namibie au stade Amadougon Koulibaly de Korogo. Euh, et, euh, il nous reste ouais, quelques minutes à peine à passer ensemble avant, euh, avant d'y aller. Euh, Wilfred Canon. Alors d'un côté, on a une équipe tunisienne hein, qui est là, une habituée hein, de la compétition, euh, mais qui n'y arrive pas parce qu'elle euh, n'arrive pas à gagner hein, cette canne, enfin, une seule il y a quelques années. Euh, D'un autre côté, on a une équipe namibienne qui n'a rien à perdre et qui montre de très belles choses depuis quelques temps. Qu que, à, à quel genre de rencontre on doit s'attendre aujourd'hui Je pense que la Tunisie, depuis euh, un moment, moment, n'arrive pas vraiment à s'imposer en Afrique. Et, euh, la Namibie aussi, euh, n'oublions pas, on a, euh, la Namibie, en euh, match amical, ils ont fait 0-0 contre euh, le Ghana. Donc je pense que ça serait un match ouvert. C'est la Tunisie qui va débuter, c'est la Tunisie qui, qui va essayer de forcer Et ça sera un bon match, selon moi. Ça sera un bon match. Eh ben, très bien. Allez, direction le stade Amadougon-Koulibaly de Korogo. Et nous, on se retrouve eh ben, à la mi-temps. A tout à l'heure. C'est la mi-temps au stade Amadougon-Koulibaly de Korogo. 0-0 entre la Tunisie et la Namibie. Alors, Djibril, si c'est votre analyse générale de cette première mi-temps en général, la, la Namibie fait exactement euh, pardon, ce qu'il faut. Ils, euh, ils jouent euh, leur coup à fond, ils, ils endorment les, les, les Tunisiens. Moi, je, je pensais euh, voir voilà, notre visage de la, de la Tunisie, hein, une Tunisie, une Tunisie conquérante et qui, qui, vraiment, qui domine la Namibie. Et là, c'est carrément le, le contraire qu'on voit. Euh, la Namibie aurait pu marquer à 4-5 minutes de jeu euh, sur une occasion et la Tunisie a un, un peu de mal. Après, il manque un peu de, de justesse dans le dernier geste et dans la finition euh, euh, du côté de la Namibie, mais attention, attention. Euh, vous pensez qu'on va avoir des surprises à la fin de cette rencontre, Wilfried Canon Oui, je pense. La Namibie m'impressionne beaucoup parce que j'avais dit qu'ils allaient jouer bloc-bas et après procéder par les contre. Il suffit juste de trouver l'attaquant, Choualil, pour, 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 pour essayer de, de, de marquer. Alors, euh, il le disait, hein, euh, on s'attendait à ce que la Namibie joue, joue vraiment bloc-bas. Euh, pourtant, euh, c'est une Namibie qui a plus d'occasions hein, offensives que la Tunisie. Euh, Qu'est-ce qu'on doit comprendre C'est la Tunisie qui déjoue ou bien la Namibie qui est euh, pour le coup au-dessus de cette équipe tunisienne Ce qu'on doit comprendre, déjà, c'est euh, la manière dont la, la Namibie joue. Avec trois défenseurs, presque six, six au milieu. Voilà, donc, ils empêchent cette équipe tunisienne parce qu'il la connaît, il connaît cette équipe. Lorsqu'elle est, elle est bonne par rapport à ses milieux, voilà, on ne peut pas l'arrêter. Donc, euh, le premier point, c'est qu'elle a fermé tous les, tous les angles des passes. Mm -hmm. voilà. Donc, du coup, ben, elle, est, elle est haute. Enfin, cette, cette équipe de Namibie est haute. Mm -hmm. Donc, elle récupère les ballons. Et on a vu les, les, les cinq premières minutes elle a failli avoir un but. Et la, la Namibie a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, je crois 5 contre 2 pour, pour les Tunisiens. Donc je pense que c'est une équipe qui, qui veut gagner ce match. Et, et justement, hein, concernant ce nombre d'occasions manquées, si c'est qu'est-ce qui manque à, à la Namibie De la justesse, de la justesse technique. Là, on voit une, une, une occasion où ça doit, ça, ça, doit être, ça doit aller au fond. Quand on est à 4-5 mètres du gardien, on ne peut pas lui mettre sur lui. Euh, Peut-être un peu, un peu plus de, de sang-froid. Il euh, y a un moment aussi euh, où euh, Otto euh, il essaye de servir son, son coéquipier, mais il, do il doit frapper clairement et, et marquer lui. Et ça, c'est dû à quoi C'est le stress Le, le manque d'expérience C'est quoi Oui, peut-être le stress. Vous à... qui êtes un buteur, un grand buteur. Oui, après, c'est ouais, gestion de, des émotions. Des émotions. Quand on arrive devant, devant, le, devant le gardien, on sait que ce, ce ballon-là est, est important que le, ce match-là est important. Et ben, on, peut, euh, on peut se mettre dans des, dans des situations de, de, de stress, alors qu'il faut, qu faut être relâché devant le but pour être le plus euh, naturel possible. D'accord. Euh, on va y retourner dans pas longtemps, parce que je vois qu'il commence à sortir là. Euh, rapidement, Wilfried Canon, euh, en tant que l'entraîneur de, de la Tunisie dans cette, euh, dans cette situation, euh, vous changeriez le dispositif ou, ou pas non, non, je, je pense que je, je partirai toujours avec 4-3-3. Essayez de jouer sur les côtés vu qu'ils sont à 5 derrière. Essayez de, de faire sortir les, les, les latéraux. Et essayer de trouver aussi l'attaque en face. C'est-à-dire le capitaine, le capitaine tunisien mm -hmm. qui, est, qui est aussi rapide. Et voilà. Allez, notre roi des pronostics du jour. <rire> <rire> Monsieur Tijel. <laughs> Mais comme le match de Burkina. Voilà, je pense que l'espérance va jouer euh, peut-être euh, à voilà, 95e minute. À la fin, oui. Voilà. D'accord, donc vous, vivez, vous visez toujours une victoire euh, de la fin, Tunisie. Fin, voilà. euh, Wilfried Canon, pronostic 2-1 euh, hein, pour la Namibie. Ok, euh, Djibril <laughs> Je vois un, un match nul un partout. Un partout Oui, un partout. Ouais. D'accord. Bon, eh ben écoutez, allez, on prend la direction du stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo et on retrouve nos commentateurs. Nous, on se retrouve à la fin de la rencontre. Aïe, aïe, aïe. Auto, il a dit le football c'est une affaire de professionnalisme une affaire de transmission une affaire de travail acharné mmh. et ils l'ont fait oui les namibiens se sont imposés un but un... <laughs> <laughs> c'est le feu ici hein, sur le plateau on en parle juste après la pub <laughs> Plateau. Oui, avec la victoire de la Namibie hein, face à la Tunisie. Un but à zéro avec un but de Otto à la 89e minute. Thierry Joël, bon, vous n'y croyez pas au début. Hein? Et là, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Namibiens Une équipe conquérante, une équipe qui a voulu gagner, une équipe enthousiaste qui a mis euh, tous les moyens à sa disposition pour pouvoir marquer ce but. Et, et ce qui m'a plu dans cette équipe, elle a défendu en avançant, pas en reculant. Du coup, les, les Tunisiens n'avaient pas de solution euh, 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 de profondeur, et donc euh, vraiment ils ont su de jouer euh, le plan tunisien. Et voilà qu'à la 80 15e minute, on dirait, voilà, il marque le but. 89e. 89e. <laughs> voilà. Et c'est une victoire aussi méritée, malgré quelques, quelques, voilà, quelques actions tunisiennes. Et je crois que la Tunisie n'a pas saisi sa chance. Elle a eu quelques bonnes occasions, mais elle n'a pas saisi sa, sa chance. Et donc, euh, voilà. Bravo, et, et... bravo à la Namibie. Oui, bravo à la Namibie. Puis, à la Namibie. Vous pensez que euh, les, les Tunisiens les ont pris un petit peu de haut ou pas Oui, je pense, en première mi-temps. Mais la Namibie, c'est une, une petite équipe avec des joueurs qui ne jouent même pas le championnat européen et tout. C'est pour dire que on peut être une petite équipe, mais venir se battre, être déterminé, être courageux, faire les efforts. Vous voyez même... Euh, la défense, et ils sont présents dans les duels, ils sont positifs, ils s'encouragent, et c'est ça la coupe d'Afrique, c'est ça. Je dirais que je veux dire que c'est vraiment la canne de toutes les surprises. Oui, c'est la canne, c'est la canne vraiment que on, on, on peut pas deviner. Je, je plains mes amis qui, qui, qui jouent à Paris En Sport ou, à, ou au Paris, parce Paris que là, sportif, des, des, ouais. Paris sportifs parce que des, des résultats comme ça c'est dur à trouver. Mais comme quoi, avec un cœur et avec une volonté. On arrive à faire des, des, des grandes choses et c'est vraiment une, une belle leçon que ce que la Namibie a fait, a fait aujourd'hui. Et le but, c'est vraiment un peu le résumé de, de, du match. On voit le, le numéro 9 qui va se battre sur le côté gauche du terrain et on voit le, donc Otto qui est lâché par le défenseur tunisien qui on dirait il a, il a abandonné, il le laisse partir, il le voit partir, il voit qu'il est trop loin, il fait pas l'effort et Otto ajuste, ajuste le gardien. Et vraiment. Bravo et, et on a envie de voir d'autres résultats comme ça. Bien, voilà. Allez, on va remercier Thierry Joël. Hein. On a passé euh, bah, de très belles heures avec vous. Assez, euh, assez. Puisque vous allez euh, nous quitter, on va laisser la place à Amara Diané hein, qui va vous remplacer ici sur le plateau. Donc je reste avec Wilfried Canon, je reste avec Djibril Sissé pour ce Mali, Afrique du Sud, qui sera à suivre en direct dans quelques instants. À tout de suite. Assez.